D'après ces statistiques, il y a 4000 hold-up par an à Hong Kong. Mais une trentaine seulement sont perpétrés avec de vraies armes. À mon avis, la plupart de ces coups, c'est à peu près toujours les mêmes types qui les font. Et pour tout vous dire, je suis l'un d'eux. Je m'appelle Yung Kwan. Dans chaque boulot, la clé du succès, c'est une bonne équipe. C'est pour ça que j'ai apporté le plus grand soin dans le recrutement de mes partenaires. Quel est l'intérêt d'être flic? Tu touches combien? 30 000 par mois? Ça paie même pas tes crédits. Quand c'est ta peau que tu mets en jeu, t'as droit à une vraie compensation. Là, les risques que tu prends, c'est la police qui en profite. Tandis que si tu viens avec moi, quand tu joues ta vie, ce que tu récupères, c'est pour ta poche. Combien tu dois à la banque? Plus de 2 millions. Je peux te régler ça en une semaine. On ira te trouver. Depuis qu'il a démissionné, Rick bosse avec moi. De son passage à la police, il a gardé le goût de l'organisation et de la stratégie. Résultat, on a braqué plusieurs bijouteries de Hong Kong avec succès. Après ça, on a filé en Malaisie. Là-bas, j'ai déniché un nouveau partenaire. Fon Chan. Rick? Tu es Fon? Kwan m'a envoyé te chercher. C'est quel genre d'affaire cette fois? La Malaisie, je connais bien. Alors t'étais dans la police, hein? C'est vrai, et toi? Je suis de Thaïlande. Fon Chan a toujours été dans le milieu. Il a des amis partout. Grâce à lui, où qu'on aille, on a toujours un coin où descendre. Mais une fois, on n'a pas eu de bol. On a pris pour objectif une banque clandestine. On s'est planté. On était attendu. J'ai failli rester sur le carreau. Pendant ma convalescence, j'ai confié la responsabilité de l'équipe à Fon Chan. Je n'ai pas eu à le regretter. Depuis, moi-même, Fon Chan, Rick et Hong, notre chauffeur, on n'a plus connu d'échec. Bonjour, pouvez-vous décliner votre identité? Je m'appelle Chung. Ça fait des semaines que je le bip. A-t-il laissé un message? Je suis désolé, monsieur Chung. Je n'ai pas le droit de vous communiquer cette information. Si vous le désirez, je peux le biper à nouveau. Dépêchez-vous. Je le fais tout de suite, monsieur Chung. C'est moi.
Qu'est-ce que tu fous? Où tu es? Je suis en Thaïlande. Comment ça, en Thaïlande? Je remplis ma mission. Tu oublies que tu es censé m'informer de tous tes faits et gestes. Je commençais à m'inquiéter. C'est ça, tu crois peut-être que je m'amuse? Ça fait 6 mois que je galère pour les approcher. Ils veulent que je fasse un coup avec eux. Je pouvais pas me dégonfler. Ils m'ont amené ici pour me laisser le temps de passer un coup de fil. Ils me quittent pas des yeux. Et quand j'arrive à leur fausser compagnie pour t'appeler, toi tu m'engueules. C'est bon. Est-ce que tu es en danger? T'en fais pas. Ils ont confiance en moi. Tu as réussi à savoir quelque chose? T'as de quoi écrire? Leur chef s'appelle Phone Chan. Ici, c'est lui qui a tous les contacts. Il y a un ancien flic qui s'appelle Rick. Il passe des mois à préparer chacun de leurs coups. Il y a aussi Kwan. Il était dans l'armée, un obsédé de la gâchette. La plupart de leurs victimes, c'est lui qui les a tués. Leur chauffeur s'appelle Hong. J'ai cru comprendre que ça fait plusieurs années qu'il est avec eux. Je suis presque sûr qu'ils sont derrière toutes les affaires. Ils sont ici pour braquer une banque. Ce qu'ils feront après, j'en sais rien. Alors, les instructions. La Thaïlande? On n'a personne en Thaïlande. Il n'est pas question que tu me lâches! Je me suis foutu à poil devant eux, je peux plus reculer! Hein? C'est le moment de remuer tes fesses! Appelle Interpol! Dès que j'en saurai un peu plus, je te recontacte, alors ça marche! Ouah, je ne veux pas que tu prennes de risques. Tu parles, ça c'est facile à dire pour toi. De toute façon, quand cette affaire sera bouclée, t'auras ta promotion. Moi, je demande à reprendre l'uniforme. J'y vais, je t'appelle. Faut avoir une gueule de flic quand on est flic. J'en ai marre, moi, de faire la taupe. Comment je vais me tirer de là? Phone, on fait quoi? On va manger. Hé, on va manger. Ouais. Tu veux un durian? Fonne ta vie, t'as bouffé, tu saisis? J'en ai jamais mangé, moi. J'ai pas dit que j'en voulais. T'en as jamais mangé? Tu lui montres? Au boulot. Ça, c'est le plan du quartier. La banque est ici. Notre voie de repli.
Il y a combien de gardes? Ils sont par groupe de deux. L'équipe du matin, trois types, un fusil à pompe, plus quatre types dans le fourgon blindé. À 9h, on a donc 7 gardes au total. La police, où elle est? Le poste de police le plus proche est ici. Tous les jours, à 9h30, 11h, 14 et 18h, deux flics se pointent. En cas d'explosion, l'alarme se déclenche. Les autres déboulent en 3 minutes. Par exemple, aujourd'hui, ils sont 15 de permanence. Hong, t'as fait les repérages? Je connais le coin par cœur. Matériel autrichien. Deux chargeurs chacun. Combien t'as payé pour ça? 120 000. 120 000, l'enfoiré. Lo, c'est Fonchan. Dis. Alors, on bosse plus ensemble? T'as vu le prix que tu me fais? T'as mon numéro de compte, fais ce que t'as à faire. C'est mieux. Tout est bien clair? Alors, on y va. Maintenant? C'est parti. Allez, on y va. Quoi? T'as peur? Non, non. Ce genre de choses, à la longue, on s'y habitue. Quelle voiture tu veux qu'on prenne? Aucune importance, là. Ça m'est égal. Tu n'as qu'à décider. Ces types ne sont pas des truands ordinaires. Ils sont sans pitié pour ceux qui les trahissent. Un de leurs partenaires avait réussi à découvrir leur identité. Ils ont fini par l'avoir. Ils l'ont criblé de balles. Fais gaffe, tu n'as pas le droit de faire le moindre faux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar? C'est rien. Baissez-vous! Ne regarde pas!
blessés. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Allez, allez, plus vite que ça. Ouah, ramasse le fric. Cet après-midi, une banque a été attaquée en Thaïlande. Un résident de Hong Kong, Tim Wally, fait partie des victimes. Selon la police thaïlandaise, il était l'un des quatre membres du gang. Un de ses complices l'aurait abattu au cours du hold-up. La police thaïlandaise a mis en œuvre de gros moyens pour retrouver les trois suspects en fuite. Dis à ton patron qu'on arrive dans une heure. Oui. Hé, attends, t'as changé de receleur? Celui-là est plus généreux. Je veux bien, mais on peut lui faire confiance. Ils sont tous pareils. Faut prendre quelques précautions. Ouais. Accélère. Je te salue. Où est ton patron? Kimai se sent pas bien. Mais si t'as un message, je le lui transmettrai. Très bien, qu'il se repose. Du moment que j'ai le fric. C'est vrai. Ah oui? On avait dit 25%. Ah, c'était 25. Y a pas le compte. Et maintenant, est-ce que tu l'as, ton putain de compte?
Ça vous va, Fonchan? Merci. Salut bien, Maître Sio. C'est quoi ce cirque? On en parlera plus tard. Allez, faites le ménage. Pour le grand chef, hein, c'est ça? Laisse-le s'expliquer. Qu'est-ce que c'est, toute cette histoire? Kimei est un vieux renard. J'ai demandé à Maître Sio d'envoyer du monde, pour le cas où. T'aurais pas pu trouver quelqu'un d'autre. Quand Kimei a dit qu'une affaire l'intéressait, tout le monde s'écarte de toi. Tout ça, c'est des conneries. T'aurais dû nous le dire. Si eux deux l'avaient su, ils auraient pas été naturels et on se faisait tous descendre, tu connais Hong? C'est pas un comédien. Allez, on va se coucher. Demain, on n'y pensera plus. Patron? Quoi? Montre, on en parlera plus tard. Les types de Hong Kong nous ont piégés. On a plusieurs morts. Des hommes à Sio étaient de la partie. Ce salopard est toujours en travers de mon chemin. Démarre! Enfant de salaud qui m'empêche de passer. Il veut se suicider ou quoi? Maître, on dirait qu'il m'aille. Je le laisse passer? Laissez passer le monde entier. Mais lui, c'est hors de question. Très bien. Patron, je crois bien... Je crois bien que c'est la voiture de Sio. Sio? Allô? Qui est-ce? C'est ce vieux qui m'aille. Pour un hasard, t'as picolé ce soir, hein? Sio, c'est toi qui es en tort. Pourquoi tu m'empêches d'avancer? Ça t'amuse de me contrarier? Je te demande de reculer. Je t'empêcherai jamais d'avancer. J'aurais trop peur que tu m'écrases. Mais ma voiture est comme moi, vieille, fatiguée. Difficile de reculer à son âge. Sio, tu n'es pas raisonnable. Des gars viennent de descendre plusieurs de nos hommes. J'ai un compte à régler avec toi. Je suis pas du tout le genre patient. Quelle histoire? Je suis pas au courant de cette affaire. Je me renseignerai. Un bus vient d'arriver derrière moi. Impossible de reculer, on a assez perdu de temps. Je suis pressé, alors recule. Quel enfoiré. Fils de pute. Je te garantis qu'on en reparlera avant longtemps. Allez, c'est bon. Allez, allez, on recule! Avance! Inspecteur, Monsieur Pang voudrait vous voir. Edmond Pang, Interpol de Hong Kong, bonjour. Bonjour, on sera mieux ici. Voilà les quatre suspects. Nous sommes persuadés qu'ils sont impliqués dans plusieurs braquages où il y a eu mort d'homme. L'un d'entre eux a même appartenu autrefois à la police de Hong Kong. Mais nous manquons jusqu'à présent de preuves décisives. J'ai pensé qu'Interpol pourrait peut-être nous fournir de l'aide. C'est très curieux. Nous recherchons aussi ces individus. À Singapour et en Malaisie, il y a eu plusieurs braquages sanglants. Ce sont nos suspects numéro un. Ils sont encore à Hong Kong? Nous avions réussi à les infiltrer, mais ils ont démasqué notre agent.
Nous avons appris hier qu'ils ont attaqué une banque en Thaïlande. Il y a eu plusieurs victimes. Donc il y a de fortes chances pour qu'ils y soient encore. À vrai dire, je n'en suis pas certain. Si de votre côté vous retrouvez leurs traces, inspecteur, j'espère que vous m'en informerez. Aucun problème. Nous ferons notre maximum pour vous aider. Est-ce que je peux emporter ces dossiers ? Je vous en prie. Voici ma carte, appelez-moi s'il y a du neuf. Merci. Je dois y aller. Très bien. Au revoir. Hold up, hold up ! Avance ! Avance ! La caisse ! Allez, dépêche-toi ! Allez, plus vite que ça ! Ouvre la caisse, brouille ! D'accord, d'accord. À poule, le dis donc, c'est les durs. Allez, donne ! T'es sûr que t'as... Y'en a un ailleurs ? Allez, donne ! On va rester longtemps. Brouille-toi ! C'est tout ce qu'il y a. Tout le monde nous court après. Ils ont pas digéré le coup de l'autre jour. On a mis le pied sur un nid de vipères. Si on n'est pas loyal avec moi, je le suis pas. Kimai a voulu nous bouffer, on n'a pas eu le choix. T'as raison. Justement, je voulais t'en parler. Ce gâteux vient de recevoir de la marchandise de première. Ça devrait te plaire, c'est des rubis. Il y a un gros coup à faire. T'es pas un peu gourmand ? On n'est jamais assez gourmand. Hé, vous là ! Votre argent ! On se grouille ! Bougez pas ! D'accord, d'accord. Là. Oh. À la vôtre ! Allez, tu sais. Santé. Jim. Vous offrir un verre ? Nous avons ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci. En vacances ? D'où est-ce que vous venez ? Hong Kong. Et vous êtes en Thaïlande depuis longtemps ? Depuis que je suis née. Et vous ? Oh, j'adore cette musique. Allons danser. J'étais pas au courant que c'était ta copine. Depuis quand t'es avec elle ? Tu recommences pas, c'est tout ! Tu me parles jamais comme ça, je te préviens, hein ! Non, mais pour qui tu te prends ? Espèce de grande gueule, quoi ? Tu crois que t'es le caïd ? Tu m'insultes pas, c'est clair ? Arrête ! Mais... Un instant. Qu'est-ce
Casse-toi maintenant! Je t'emmerde! Je veux plus te revoir dans le coin! Hé, hey, Maître Sio. Assieds-toi. Alors, tes rhumatismes, ça s'arrange? À mon âge, ça ne peut pas s'arranger quand il pleut. Je souffre le martyr et... Frictionne-toi avec cette huile, elle est pas mal. Oh, tes intentions me vont droit au cœur. En fait, c'est plutôt moi qui dois te remercier. T'en prie. Pour un peu, hier soir, j'y passais. Hier? Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh! T'as dégommé du monde, hein? C'est tes hommes qui ont fait le travail. Mes hommes? Qui les a vus? Personne! Ceux qui les ont vus, ils sont au cimetière. Reste sur tes gardes. Kimei est calme en ce moment. C'est pas normal. Je comprends. Merci. Dis-moi, mes hommes m'ont rapporté que tu es devenu leur chef? Non, c'est pas ça. On forme une équipe, on est réellement tous pareils. On décide ensemble et on agit ensemble. Y a pas de chef. Ça peut pas aller. Quand on bosse dans le milieu, il faut absolument un chef. Un accident et c'est vite arrivé. Tu leur en touches un mot à l'occasion. Hein? D'accord. T'en fais pas, je sais ce que je fais. Eh, c'est la bague de Ying? Ça fait 7 ans qu'elle est partie et tu la portes encore. Tu sais, c'est elle qui m'encourageait, qui me stimulait. Quand je me trouve dans une mauvaise passe, je regarde la bague et ça roule. Tu es toujours aussi attaché à elle, hein? Plus que de l'attachement. C'est de la reconnaissance. Salut. Mesdemoiselle, est-ce que vous avez réservé? Oui, pour deux, au nom de Lee. Et c'est bien ça. Suivez-moi, s'il vous plaît. Désirez-vous boire quelque chose? Oui. Du vin rouge en carafe. Très bien. Merci. Tu disais que c'était plein à craquer tous les soirs, mais c'est vraiment le désert. C'est bizarre. Et j'ai tout réservé. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Très heureux de vous revoir. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Je me suis dit que vous apprécieriez peut-être un dîner intime, alors j'ai fait fermer le restaurant. Très heureuse de vous connaître. Mon amie Christina. Christina, je suis enchantée. Monsieur Rick, votre vin. Très bien. 82? Eh bien, il est un peu meilleur que le vin en carafe. Servez. Tout de suite.
Chin. 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 Pas mal. Et peut-être qu'on pourrait reprendre tout à zéro et partir de bon pied. La dernière fois, on s'est à peine parlé. C'est vrai. Comment avez-vous su que je viendrais? Une supposition heureuse. J'imagine que vous savez pas mal de choses à mon sujet. Eh bien, disons que je vous connais un peu. Alors sachez que je travaille dans les assurances à Hong Kong, et des types comme vous là-bas, j'en rencontre tout le temps. C'est pour ça que je suis ici, pour prendre quelques vacances avec ma camarade, et pour être débarrassée des mecs tels que vous. Désolée, mon amie a quelques problèmes familiaux ces derniers temps. Elle n'est pas de très bonne humeur. Faut pas lui en vouloir. Je comprends tout à fait. Il va falloir que nous rentrions. Merci pour le vin. Peut-être une autre fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. J'ai été très heureux. Chérie, c'est moi. Je t'ai envoyé de l'argent. 200 000. Ça suffira? Ouais, je sais. Tu trouves le temps long, hein? Ouais. Va t'amuser, sors. Bah ouais, va danser. Prends du bon temps. D'accord? La maison est gardée 24 heures sur 24 par une quinzaine de types avec des flingues. Quel genre? Eh bien, des 9 mm. Il rentre des États-Unis jeudi. À part le banquier du petit, il a rien prévu d'autre. Va pour jeudi. Tu t'es racheté un flingue? Si c'est pour faire joujou, je t'en offrirai un. Tu sais bien que j'aime les armes. Pour les emplettes, c'est pas le moment. Les armes qu'on utilise, on connaît leur provenance. Fais gaffe à ce que t'achètes. On peut se faire repérer et liquider. C'était pas son intention. Quant à toi, t'interroges l'hôtel sur cette fille. Tu demandes à la compagnie aérienne la date de son départ. T'es venu pour draguer ou quoi? La cuisine épicée ne vaut rien. Si l'un d'entre nous prend le bouillon, on est tous cuits. Mange, t'es pas concerné.
on trinque. Les amis, ça fait des années que j'ai pas été aussi heureux. Allez, à la vôtre. Approche. À la vôtre. Allez, Eric. À la tienne. À la tienne, sœur. Santé. Comment tu l'as appelée? Tu as dit sœur? Appelle-la plutôt patronne. À la tienne, patronne. Tu ne te sens pas bien? Mais si. Je t'accompagne aux toilettes. Pas la peine, ça va. Hong, viens. Reprends-en, ça va. D'accord. Rachel, je... Juste une question. C'est vrai. C'est moi qui l'ai draguée. À mon tour, maintenant, de te questionner. Et si tu étais moi, tu préférerais être la copine du chef ou bien la copine de l'un de ces hommes? Je vais aux toilettes. Maître Siô est le parrain du milieu thaïlandais. Dans le temps, c'était le chef de Phonchan. Tous les coups qu'on fait en Thaïlande, c'est Phonchan qui les arrange. Phonchan a-t-il une idée derrière la tête? J'en sais rien. Mais je commence à m'interroger. Suis les yeux fermés. Mais il y a un point dont je voudrais qu'on parle. Kimai, c'est pas clair. Continue. Pourquoi Fon l'a choisi pour cible? Quelles sont ses raisons? C'est la gloire, l'argent? Ça m'étonnerait. Lui et Kimai sont ennemis. Pas vrai. Son unique mobile, c'est la vengeance. Il veut nous utiliser. Il en a rien à foutre. L'autre fois, regarde, c'est pendant que tu le couvrais. À cause de lui uniquement, tu as récolté cette cicatrice à la gorge. Explique-moi pourquoi on se laisse manipuler par ce type. C'est pas lui qui doit commander, c'est toi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Où tu veux en venir? Tu vois bien. Tu es le flingue. Et moi, la tête. Au volant, on a un crack. À tous les trois, on forme une équipe parfaite. À quoi nous sert ce type? Tu sais bien. En débarquant ici, notre grande idée, c'était d'être les meilleurs. Et puis là, on a l'opportunité. Une vraie opportunité. Là, il est en train de nous réduire à néant. On devient minable. C'est pas ça, la vie. On doit saisir notre chance. Faut viser le gros lot, la grosse affaire. J'en ai marre de ces petites magouilles de merde. Je te laisse. À demain. Bye bye. Thank you.
tiens vraiment à agir demain? Ça fait trop longtemps que j'attends ce moment. Ying est parti et ne reviendra pas. À quoi bon prendre de tels risques? Réfléchis. Ce fils de pute était sur le point de me coincer. Ying, pour me sauver, s'est laissé violer par Kimei. Puis elle s'est tuée. Je peux pas faire autrement que la venger. Tu as mis tes partenaires au courant? Il y a du fric, ça leur suffit. On ne sait jamais ce que les gens ont dans la tête. Tu ferais bien de surveiller tes arrières. Je comprends. Ça? Je te remercie. Est-ce que tu... Quand cette affaire sera définitivement réglée, tu pourras me faire quitter le pays? Pas de problème. Merci, Sio. Alors, les amis, on est prêts? On attend que toi. On y va. Va voir. J'y vais. Patron, venez. Vous devez pas rester ici, c'est pas prudent. Par ici.
Qu'est-ce que vous voulez? Tes rubis, Kimai. Dépêche, oh allez. Je vais t'expédier en enfer. Allez. Chut. Fermez-la un peu. C'est ça. Prenez tout ce que vous voulez et foutez-moi le camp d'ici. Oh, est-ce que tu me reconnais? Tu comprends pourquoi tu dois mourir. Oh ! C'est son fric qu'on veut, pas sa vie. Allez, lève-toi. Allez, au coffre. Ouvre-le, allez ! Allez ! Jamais sortir d'ici. Putain, qu'est-ce que t'as foutu? Merde. Allez, faut se casser. Thank you.
la plaie est large. Sûrement un magnum. C'est moi. T'as failli nous faire tuer. Je vous demande pardon. Hong, viens. Frère Foon. Donne cette bague à Sion. Il vous fera quitter le pays. Quan. J'ai un dernier service à te demander. Achève-moi. Foon est mort. Assurez-vous, Kimai est mort aussi. Frère Foon m'a dit de vous donner cette bague. Sio, merci. Il faut qu'on y aille. Oui, le bateau vous attend. Si vous venez à Hong Kong, il faut qu'on mange ensemble. Monsieur Pang, je suis Chung. Vous avez lu le journal ? Foon Chan est mort en Thaïlande. Il vient ici avec des starlettes à peu près deux fois par semaine. C'est un vrai obsédé. Enfin bref, j'ai vérifié ses comptes bancaires. Plus de 8 milliards sur 3 comptes distincts. En espèces. Des types pareils, ça ne court pas les rues. La cible parfaite. Le plus étonnant, c'est qu'il n'a que 3 mecs pour le garder, en comptant le chauffeur. Il n'y a peut-être pas de lézard, après tout. Hong, étudie un peu le quartier. Après, rentre chez toi, va retrouver ta femme. T'as trouvé une planque ? Ouais, c'est fait. À Tsingy. On va jeter un œil tout à l'heure. Tu te charges du bateau, moi je m'occupe des armes. On se voit ce soir. Ça marche. C'est ça, tu me rappelles. Je te laisse. Il est là, chef. Ouais. Frère Lang. Salut. Comment tu t'appelles ? Rick. Eh bien, frère Rick, qu'est-ce qu'il y a ? On m'a dit que tu avais des bateaux, que tu pouvais nous faire quitter le pays. C'est pour ça que je viens de te trouver. Moi, quand je fais quelque chose, ça se sait tout de suite. Pourquoi ? Parce que j'assure à 1000%.
Des bateaux, j'en ai pas mal, ouais. Mais je ne fais jamais d'affaires avec des inconnus. Tu dois connaître Fon Chan. Frère Fon? Je le connais. Pourquoi? C'est mon partenaire. Ton partenaire? On vient de m'apprendre qu'il a été tué. C'est vrai. Eh bien voilà, frère Fon était un bon pote. On bouffait ensemble régulièrement. Maintenant qu'il est mort, tu viens me raconter que t'étais son partenaire? Moi, j'en sais rien. Alors, devenons amis. Frère Rick, tu m'as mal compris. Je peux pas dire que je suis riche, ça serait pas vrai. Mais j'ai assez d'argent pour bouffer et pour m'habiller. Chan Fon et moi, on s'aimait bien. C'est pas une question de fric. Tente le coup ailleurs. Comme tu veux. C'est lui que Sue recherche. Suis-le et trouve où il crèche. Oui, patron. Tu es des gens de son équipe. C'est le diable qui sera ton partenaire. Tout est là. Trois pistolets hypodermiques, un M11, 10 boîtes de 9 mm. Tout est neuf. Ça fait combien? Dis donc, tu te fiches de moi? Allons, Kwan, est-ce que je me suis déjà fichu de toi? Tu veux plus qu'on bosse ensemble? J'y peux rien, Kwan. Mon patron veut ce prix-là. Si ça te convient pas, faut voir avec lui. 20 000 de moi. Je peux vraiment pas. Mets-toi à ma place, Kwan. Tu les veux ou tu les veux pas? Démarre à 4 heures, on profitera de son sommeil. Ça me va très bien. Dès qu'on aura l'argent, je m'arrangerai pour qu'on puisse quitter Hong Kong. Est-ce que t'as trouvé un bateau? Ouais, ça devrait coller. Où tu en es avec les armes? On va garder les anciennes. Alors à demain, et rendez-vous ici à 22 heures. C'était bien avec ta femme? Ouais, ça allait. Tu vas l'emmener cette fois? Elle m'a parlé d'un voyage qu'elle voulait faire. Un voyage organisé. On verra bien. Allez, à demain soir.
Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, là? Sans cette pétasse, Fawn serait encore vivant. On peut plus faire un pas. Depuis qu'il est mort, plus personne veut travailler avec nous. Tu dis que tu t'es arrangé pour le bateau. Avec qui? Un flingue, ça me coûte une fortune, maintenant. J'ai reçu plusieurs appels aujourd'hui. Les trois individus qu'on traque depuis si longtemps sont à Hong Kong. Ils vont passer à l'action. L'indicateur nous a communiqué le lieu où ils se terrent. Nous ignorons si ces informations sont absolument fiables. Donc, pour des raisons de sécurité, j'ai demandé l'intervention des forces spéciales. Des questions? Négatif. Négatif. Cet immeuble désaffecté est situé à Tsing Yi. C'est là que nos suspects ont installé leur planque. Ils sont au moins trois. Ils sont très dangereux. Quelles armes ont-ils, en quelle quantité, nous l'ignorons. Par conséquent, s'ils résistent de quelque manière que ce soit, tirez sans sommation. Je compte bien que dans nos rangs, nous n'ayons aucune perte. C'est bien clair? Affirmatif! Allons-y. Où est le commandant? À vos ordres. Est-ce que vous êtes prêt? Le dispositif est en place. Allez-y. À vos ordres. Hey. Abattez-les. À vos ordres. Quand tout ça sera fini. Tu veux dire, le mariage, les enfants? Et toi? J'y ai pas encore pensé. Si jamais t'as besoin d'un conseil, tu sais où me trouver. Jamais eu de meilleur partenaire.
J'ai entendu dire que ceux dont le cœur est habité par l'avidité, la colère ou toute autre obsession vont directement en enfer quand ils meurent. J'ai l'impression que Rick, Funchon et moi, on va bientôt se revoir. Quant à Hong, c'est mieux pour lui qu'on ne soit plus ensemble. S'il reste sagement à sa place, c'est lui qui vivra le plus vieux de nous tous. Entrez. Cheng. Monsieur Pang. Que se passe-t-il? Je vous rapporte le dossier. Félicitations. De redoutables truands hors de combat, aucune perte à déplorer. Bravo. Hélas, on n'a rien sans rien. J'ai perdu un bon partenaire. C'est vrai. J'ai perdu un bon assistant. Rachel Lee. Elle prétendait travailler dans les assurances. En réalité, c'était mon agent. Elle avait pour mission de collecter des informations sur Funchan, Quan et les autres. Patron, des gens de Hong Kong demandent à vous voir. Entendu. Je les ai mis au salon pour les faire patienter. D'accord. Un être meurt, un autre prend sa place. Ce n'est pas en marchant sur la tête des autres qu'on réussit dans la vie.